Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le papa de ce joli petit ouvrage. Alors, comme vous le savez, en ce moment, c'est la chasse à la laine. Et donc, on nous envoie plein de filatures qui nous envoient des laines pour que je les teste. Et dans une des filatures m'a envoyé cette laine pour que je la teste, et j'en suis tombée raide dingue amoureuse parce qu'elle est vraiment trop belle. Je vous montre ça, regardez la qualité du fil. Vous voyez, je vais vous montrer un produit qui se dirait identique de, ben voilà, du même vendeur de chez Monsieur Z là. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est Monsieur Z. Oui, c'est pas très fourni, pas très, voilà. Et là, regardez, à l'opposé, on dirait vraiment vraiment de la fourrure. Dieu merci, ça n'en est pas, mais c'est vraiment bien fait. C'est très beau, c'est très luxueux. Alors, les coloris, nous allons utiliser ce coloris naturel que je vais associer à ce fil de chez Monsieur Z. Oui, on n'a toujours pas choisi, on propose beaucoup de fils, mais bon, il manque toujours quelque chose dedans. Donc, pour l'instant, on est toujours à la recherche. Donc, c'est de la Julia de chez Monsieur Z. Ça va être la base et ça va être le complément. OK. Donc, on a ce très joli coloris naturel. On a un bordeaux qui est splendide, très nuancé. On a ce bleu acier, très reine des neiges. Waouh. Et là, je ne l'ai pas. C'est Elodie qui l'a reçu et pas moi. Un noir gris qui va très bien avec moi je l'ai choisi parce que je trouve que ça va très bien avec du noir. De toute façon, ça tombe bien, je ne vous fais pas d'habit noir parce que c'est compliqué pour voir. Mais vous avez la possibilité, vous voyez sur le site, il est très joli. Il est aussi beau que ça, aussi nuancé, aussi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des nouveaux fils qui vont nous permettre, encore une fois, ben, vous allez voir, j'ai plein d'idées qui fusionnent avec ce, et surtout cet ouvrage qui était pour moi la base. Même si on n'est pas du tout à la fin de l'hiver, pour moi, il y a encore un mois ou deux où on va avoir un peu froid. Et on va prendre notre Julia, alors c'est en toute taille, bien évidemment. Pour les petites tailles en dessous de 46, vous prendrez un crochet en numéro 5. Pour les tailles entre 46 et 54, vous prendrez un crochet en numéro 6. Et pour les tailles au-delà du 54, bien, vous prendrez un crochet en numéro 7. Voilà, ou 6,5, à vous de voir. Ok, allez, c'est parti. On va partir sur une chaînette de 71 mailles. Allez, 1, 2, 3, 4. Oui, aussi pour celles qui crochettent lâche, descendez le crochet. Pour celles qui crochettent serré, montez le crochet. Ça fait aussi beaucoup. Quand vous avez vos 71, vous le passez autour du cou. Si ça se passe bien, si c'est lâche et que ça descend un petit peu au niveau de la gorge, c'est que c'est bon. D'accord? Je ne vous montre pas le graphisme parce qu'il n'y en a pas. Je pars au hasard. Alors voilà, on part au hasard, on verra bien ce qui se passe. Ok? Donc on a les 71. Alors pourquoi on part au hasard? Mais je sais que c'est 71 parce que je vais faire de la résille et il me faut un chiffre impair. Donc c'est tout bête. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 71 brides. Donc, 1, 2, 3. On se retrouve au bout des 71. Voilà, quand on a fait la 71e, alors, n'oubliez pas, oui, la petite molette. Vous avez la molette ici, vous pouvez cliquer dessus pour ralentir ou accélérer la vidéo. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens pour les fils pour l'Amélie, le nouvel fil pour Elodie. Je fais que la moitié de ce que j'ai à faire, moi. C'est magique. Non, je suis un peu traumatisée parce que je pars... Pas traumatisée, je raconte n'importe quoi. Je suis focalisée parce que quand je pars sur un ouvrage où j'ai absolument pas de tuto, faut bien que je calcule où je veux aller. Et là, où je veux aller, je vais vous l'expliquer. J'ai envie que on parte là, donc ça c'est ce que nous sommes en train de faire, comme ceci.
Et que quand on arrive approximativement ici, voilà, comme cela, il y a assez de largeur. Là, quand on fait le tour, il y a assez de largeur pour pouvoir vous dire de faire des choses répétitives. Vous voyez, des motifs à répéter pour que vous puissiez continuer toute seule et pas vous faire une vidéo de 500 heures. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire des augmentations jusqu'ici. Et après, je vous trouverai un système de répétition pour pouvoir continuer par vous-même. D'accord? Donc, là, on vient faire nos deux mailles en l'air. Donc, une et deux. On tourne le travail. On fait une bride dans la même. On va faire de la régie. Donc, une bride, une maille en l'air, on passe une maille dans la première, dans la seconde, pardon, une bride. Hop, une maille en l'air. On passe une maille dans celle d'après, une bride. Ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on passe une maille et une bride. Ok? Allez, on se retrouve comme ça en fin de rang. Voilà, nous arrivons en fin de rang, maille en l'air dans la dernière. Ici, nous faisons notre bride. Voilà pourquoi un chiffre impair. Maintenant, on va venir faire une, deux mailles en l'air. On va faire donc un rang de bride pour préparer aux augmentations. Donc là, ça va pas être compliqué. Une bride sur les brides, une bride entre les brides. Rien de plus. D'accord? Une entre les brides et une sur les brides. Allez, on se retrouve en fin de rang. Voilà, allez, on termine le troisième rang, une, deux mailles en l'air et on tourne le travail. Ici, nous allons faire une augmentation, c'est-à-dire que nous allons faire deux brides. Une et deux. Là, ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est que nous allons faire six brides. Donc, une, deux. 5, 6 et dans la septième, on fait une augmentation. D'accord? Ça, vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. 6 brides et une augmentation. On se retrouve en fin de rang. On finit donc le rang par 1, 2, 5, 6 et l'augmentation. Alors, le rang qui va suivre, ça va être un rang de recomptage et d'ajustement. Hein. Là, normalement, vous devriez avoir 82 mailles. Et si vous ne les avez pas, c'est au rang suivant que vous allez rajouter ou enlever ce qui est en trop. Okay? On va commencer et finir ce rang néanmoins par une augmentation. Donc, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on fait deux brides. Donc, une et deux. Ok? Donc, en fait, ce rang, on finit avec 84. Il y en a 82 au milieu. Vu qu'on rajoute une ici et une à la fin, on doit en avoir 84. Alors là, par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire les brides par l'avant. OK? Donc, c'est parti. 82 brides par l'avant. Et on fera une augmentation à la fin du rang, mais ça, on se retrouvera en fin de rang pour le faire. À de suite. Donc, en début de rang, nous venons faire une, deux mailles en l'air. Là, nous faisons ici une augmentation. C'est-à-dire deux brides dans la même, dans la première. Et à partir de là, nous allons venir faire des brides, mais par l'avant. D'accord? Comme ceci. Voilà. Par l'arrière, pardon, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Par l'arrière. Donc, une bride par l'arrière, une seconde par l'arrière. Je ne vais pas vous énumérer
les 84 comme ça, mais vous avez bien compris qu'on va faire tout le rang de brides par l'arrière et à la fin du rang, on fera une petite augmentation. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. On arrive donc ici à la 82. Hop. Et ici, nous allons faire l'augmentation pour faire la 83 et 84. Voilà. Toujours pareil, hein, vous prenez pas la tête, il n'y a aucun gendarme qui va venir si vous n'avez pas le nombre et que vous rajoutez ou que vous enlevez, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Allez, c'est parti, une, deux mailles en l'air et on vient faire un rang uniquement de demi-brides. Aucune fleuriture, on vérifie là qu'on a bien les 84, si ce n'est pas le cas, on rectifie. Sur ce rang, on, c'est un rang de on certifie le truc quoi. Certifie qu'on a bien le bon nombre de mailles. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang avec nos 84 demi-brides. Voilà, on arrive donc à la fin du rang où on fait le 83 et ici la 84. Ok. Une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Là, nous allons faire un motif, c'est-à-dire, on vient faire une, deux, trois brides et on va venir faire un point pouf dans la première. Donc, on pique ici et on fait un, deux, trois et quatre et un jeté. On va venir dans la première ici, on saute une maille, pardon, excusez-moi, on saute une maille dans celle d'après. On recommence. Trois brides. Donc, une, deux, trois. Dans la première des trois, ici, on fait un point pouf. Donc, une, deux, 3 et 4. Un jeté. On saute une maille. Et dans celle d'après, on recommence. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 3 brides, un point pouf dans la première et un jeté. Ok? Allez, on se retrouve en fin du rang. Du fait que nous avons 84 mailles, du fait que ce soit, on utilise 4 mailles, c'est un multiple, ça doit tomber juste. Voilà, on finit notre rang avec nos, donc ici, une, deux, trois. Donc, on a fait nos trois brides, on vient faire notre point pouf. Un, deux, trois, quatre, le jeté. Et là, dans la dernière, on vient faire une bride. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait deux jolis reliefs. J'espère que vous voyez bien. Ça serait dommage autrement. Allez, c'est parti. Une, deux mailles en l'air. Et on va venir faire notre première bride ici. Voilà, donc ici la première. Une, deux, trois. Et dans la grande ici, une augmentation. On recommence. Donc une, deux, trois, et dans la grande ici une augmentation. Ok, allez, on fait ça jusqu'à quasi la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang. Donc à la fin du rang, dans notre dernier espace, on vient faire notre augmentation. Voilà, et là on fait donc nos 3, nos 4, pourquoi dit 3? Oh là là, 1, 2, 3 et 4, voilà.
Donc le calcul va être simple. On a donc 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 motifs de 3. Plus 4 au départ, 4 à la fin, ce qui nous fait 8. Plus les mailles ici, donc 2, 4, 6, 36, 38, 38 et 40. Voilà, ce qui nous fait un total de 105 mailles. Alors peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas Dieu, je fais ça à main levée, donc veuillez m'excuser, l'erreur est humaine, mais normalement, je tente qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis s'il y a erreur, je ne suis pas chirurgienne neurologue, je ne tue personne. Donc on rectifie, si je me trompe, vous rectifiez. Voilà, de toute façon, ce sera trop tard, le tuto sera fait. Donc, on part... Non, normalement, je fais en sorte de ne pas trop me tromper. On part sur 105. 105, est-ce que ça ne serait pas de la résille? Si, si, mais bien sûr, c'est de la résille. Puisque c'est un nombre impair, youpi, on est parti sur de la résille. Donc ici, on fait une bride. Pardon, deux mailles en l'air. Moi, bon, ça y est, je m'enthousiasme, je ne vous dis pas. Deux mailles en l'air, une bride dans la même. Une maille en l'air, on passe une maille... Dans la prochaine, une bride. Allez, une maille en l'air. Dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air. Voilà, moi, ça me fait cet effet. Les nombres impairs, c'est résille obligatoire. On se retrouve en fin de rang. Allez, à de suite. Et bien, voilà, on arrive en fin de rang. Il nous reste qu'une seule et unique. Hein. Donc, voilà, notre résille est faite. Personnellement, je vais la passer sur les épaules pour voir ce que ça donne, si tout va bien. Ok, donc, par contre, je vais faire une deuxième bride ici, parce que bah, esthétiquement, ce sera plus joli. Vous voyez, ça donne... Il va y avoir la mêlée hein, dessus, donc ça va combler. Mais là, bon, esthétiquement, c'était plus joli. Ok, on part sur une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Nous avons 51 résilles, ok. Donc, nous allons faire une première bride ici, dans la première, comme ceci. Et là, on va alterner. Dans la première, on va venir mettre deux brides. Dans celle d'après, trois. Donc, une, deux et trois. Dans celle d'après, deux. Une et trois. Dans celle d'après, 3. 1, 2, 3. Dans celle d'après, 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, vous alternez dans une résille de bride, dans celle d'après, 3. Ok ? On se retrouve en fin de rang. Donc là, on en est à 125. Là, on en fait 2, 126, 127. Alors, 127, c'est celle centrale, hein, sans compter la première devant, la première derrière. 127, donc ici, la 128, et la première de devant, on en a donc 129. Et 129, c'est génial, puisque c'est un multiple de 3 qui nous donne 43 séquences. Youpia, comme quoi, des fois, sans le vouloir, je vous assure, c'était sans le vouloir. Donc on repart, une, deux mailles en l'air, hop là, là on va se faire un peu de relief, hein. Ça faisait longtemps. On va venir faire donc ici une première bride normale et toutes les autres, on va venir les faire par l'arrière, d'accord? Donc c'est parti, les 129 par l'arrière, à de suite. Arrivé en fin de rang, on vient faire notre dernière ici. Bride par l'arrière, une maille en l'air et on tourne le travail, hop là, comme ceci. Là on va se jouer deux rangs de feignantes. Deux rangs de feignantes, c'est quoi? C'est ici dans la première, on fait une maille serrée, une, deux mailles en l'air, on passe trois brides, une, deux, trois, dans la troisième, ici, une maille serrée, une, deux mailles en l'air, on passe trois brides, dans la troisième maille serrée,
une deux mailles en l'air, trois brides, une maille serrée. Et comme on a la chance que c'est un multiple de 3, ben ça va marcher. Allez, on se retrouve au bout. Voilà, ben comme prévu, hein, on fait nos deux, une, deux. Et ici, dans la dernière, la troisième, donc, hop, la maille serrée. Allez, c'est parti, une deux mailles en l'air. Un petit rang de bloc stitch, parce que ça fait du bien de ne pas se prendre la tête. Donc, trois brides dans chaque arceau que nous avons préparé. D'accord? Rien de plus. 2 et 3. On passe à l'arceau suivant et on fait nos 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. À de suite. Ok, on arrive donc à la fin du rang. On vient faire nos 1, 2 et on va faire la troisième ici hein, pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, et 3. Donc, on tire sur le fil. On va regarder un petit peu où nous en sommes. Alors, rien ne vaut d'essayer. Hein. Là où vous en êtes, vous le passez. Si vous considérez que c'est trop petit, vous montez le crochet. D'accord? Bon, avant de changer le crochet, on va quand même continuer nos augmentations. Et si vous considérez que c'est pas assez grand, là, vous pourrez augmenter le crochet. Là, on va venir faire une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On fait une bride ici, dans la première. Et là, dans les espaces, on va venir faire une bride, une maille en l'air et une bride. On passe à l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et on passe à l'espace suivant. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve donc en fin de rang. À de suite. Donc, arrivé en fin de rang, on vient faire ici la bride. Voilà, donc nous avons 42 V, une bride devant, une bride derrière. Donc arrivé en fin de rang, on vient faire une deux mailles en l'air, on tourne le travail, hop, comme ceci. On va venir faire une bride ici, une, deux, trois mailles en l'air, et dans chaque V, on vient faire un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au V suivant. 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et on passe au V suivant. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang, à de suite. Donc, en fin de rang, on vient faire 2, 3 mailles en l'air et notre bride dans la dernière. Voilà. On va venir compter les espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 espaces. 43 espaces. Donc nous allons faire ici un rang d'augmentation. Ça se passe de la façon suivante. 2 mailles en l'air, une bride ici dans la première. Et là, on va alterner 4 brides, 3, 4, 3, 4, 3 et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. On passe dans l'espace d'après, on en fait 3. 1, 2 et 3. Dans celui d'après, 4. 1, 2 3 4, dans celui d'après 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang on alterne 4 et 3.
D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, on arrive à la fin du rang. Ici, on fait nos 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, sur la bride, on fait une autre bride. Tout ça, c'est pour pouvoir avoir un total de 153 mailles. Au total, on a 153 mailles. Ce qui est génial, c'est un nombre qui est donc divisible par 3, un nombre qui est impair. Tout est parfait. Alors, regardons où nous en sommes. Hop, on tourne. Voilà, le col ici. Comme ceci. Et voilà. Comme vous voyez, c'est très travaillé, mais enfin, quand on veut faire un bel ouvrage, ce fil m'inspire terriblement et je veux vraiment que l'ouvrage soit assorti à ce fil. Joli. Bah, écoute, c'est reparti. Hein. C'est reparti, on n'a pas fini encore. Là, on va faire un petit. Donc, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On va faire un petit truc de vérification, les filles, vous êtes d'accord? Et les garçons, pardon, excusez-moi, messieurs. Alors, la première, une bride normale, qui est donc la première, hein, voilà. Et là, on part pour, on va bien compter qu'on en est 153. Donc, ça, c'est la 1. Et on va venir travailler, on est sur le rang de relief, là, sur la face de relief. Donc, on va le faire, donc, en maille arrière, ok? Donc, 2, 3, allez, on se retrouve au bout de notre rang, à de suite. Voilà, on arrive en fin de rang, 152 et 153, j'y voyais plus la fin, quand ça arrive comme ça, quand on commence à avoir de belles circonférences, ça, c'est long, mais c'est tellement plaisant, hein, on est tellement contente de ce qu'on voit qui se développe sous nos yeux que voilà, on ne peut que se réjouir. On vérifie, ok, tout est bon, ça se passe bien. On reprend notre rang, hop, comme ceci. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et dans la première, on vient faire une maille serrée. On va faire un petit block stitch. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2 mailles en l'air. On passe nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Ici, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On passe les 3 brides. Une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. 3 brides. Une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On passe 3 brides. Une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve en fin de rang. Allez, on finit nos arceaux, 2 mailles en l'air, et dans la dernière, ici, une maille serrée, hop, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et on va faire donc du block stitch, n'est-ce pas? Donc c'est parti pour 3 brides dans chaque arceau qu'on rencontre, donc 2 et 3. Une, deux, trois. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. En fin de compte, on va reprendre, vous voyez, à partir de là. On va recommencer la séquence parce qu'il va falloir encore des augmentations. Donc là, on part sur tout le rang d'abord de block stitch. À de suite. Allez, on est en fin de rang, on finit nos 3 brides dans l'arceau, 1, 2, et bien évidemment, la troisième dans la maille, hein, pas dans l'arceau, 3, hop, comme ceci, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride ici, dans la première, comme je vous ai dit, hein, on va reprendre le schéma de ici
Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir entre les petits paquets de 3 et on va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Tout simplement. Entre les petits paquets de 3, une bride, une maille en l'air et une bride. Ok, on fait ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. En fin de rang, après le V, on vient ici, dans la dernière maille, faire une bride. Et là, nous faisons donc une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride dans la première. Et une, deux, trois mailles en l'air. Et en plein milieu du V, un point pouf. 2, 3 et 4. Un jeté, une, deux, trois mailles en l'air. Et on recommence en plein milieu du V, ici un point pouf. 1, 2, 3, 4. Un jeté, trois mailles en l'air. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on fait nos 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride ici, en fin de rang. Voilà. Donc là, arrivé en fin de rang, on va commencer à faire sur le rang suivant des augmentations. Alors, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On a 51 espaces, hein? Donc ici, dans la première bride, maille, on fait une bride. Voilà. Maintenant, les séquences vont être 3 brides, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ainsi de suite. La dernière séquence sera une séquence de 3 plus la bride en fin. On aura donc au total normalement 180 mailles. D'accord? En comptant celle-ci, bien évidemment. Donc, on commence nos séquences de 3 bride dans le premier espace, 4 dans la suivante, et ainsi de suite, 3, 4, 3, 4, 3, 4, jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. On finit donc notre rang avec 3 brides dans l'espace, 2 et 3, plus une ici qui nous fait donc les 180. Deux mailles en l'air. On tourne le travail et là on va vérifier qu'on a bien 180 en faisant tout simplement. Alors là on fait notre première bride et ensuite on fait des brides par l'arrière. Voilà. Et bien on est parti pour notre rang de 180 brides et ce par l'arrière, on se retrouve à la fin du rang. Bien évidemment, hein, comme d'habitude, vous vérifiez si vous en avez de trop, vous faites une diminution, si vous en avez pas assez, vous faites des petites augmentations jusqu'à avoir sur ce rang 180 brides. D'accord? À de suite. Voilà, en fin de rang, on vient faire ici la dernière bride, comme ceci. Donc là, nous allons faire le dernier rang d'augmentation. Pour ça, nous allons faire donc une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première ici, on fait une augmentation. Donc deux brides. Ensuite, nous allons compter. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
Dans la huitième, on fait une augmentation. Mais maintenant, ça sera dans les neuvièmes, d'accord? Donc, vous faites 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là dans la neuvième. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. 8 augmentations, 8 augmentations, 8 et une augmentation, d'accord? Il n'y a que là que c'était dans la huitième. C'est parti. Nous voici donc dans la dernière maille où on doit faire l'augmentation. Donc, nous étions à 180. Avec toutes ces augmentations, nous sommes actuellement à 201. Encore une fois, un chiffre qui est donc impair et un multiple de 3, qui est donc ce qu'il faut pour faire nos points. Là, on va faire maintenant notre rang de vérification, c'est-à-dire 1, 2 mailles en l'air. On tourne et on va refaire donc des brides par l'avant pour vérifier qu'on a bien les 201, donc la première normale. Mais à partir de là, on fait donc nos brides par l'avant, ce qui nous permet de vérifier que nous avons bien les 201 mailles. Et toujours pareil, si il vous en manque une, vous la rajoutez. Si vous en avez pas assez, et bien si vous en avez de trop, vous la retirez. Voilà, allez, on se retrouve à la fin du rang. Donc, ce rang-là, en fait, où nous avons maintenant les 201 mailles, sera le premier rang des séquences que nous allons faire. OK? Donc, ça, c'est le premier rang. On va passer maintenant au deuxième. Pour le deuxième, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On passe donc 1, 2, 3. Dans la troisième, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, après la troisième bride, pardon, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, nous voici en fin de rang avec 2 mailles en l'air. On vient dans la dernière faire la maille serrée. Alors, je vous ai fait un graphisme, un diagramme pour repérer les 7 rangs des séquences qu'on va répéter. Nous sommes actuellement ici. Ça, c'était donc le rang des brides. Ça, les mailles serrées, mailles en l'air. Là, on va repartir avec donc 2 brides et 3 2 mailles en l'air et 3 brides dans chaque arceau. Allez. Donc, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et dans chaque arceau on vient faire 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà, rien de sorcier, 3 brides dans tous les arceaux et nous nous retrouvons donc à la fin du rang. À de suite. 2 et 3. Donc, à la fin du rang du block stitch, on va venir mettre la bride sur la maille serrée ici. Hein. Donc, on fait nos 1, 2 brides et la troisième sur la maille serrée du rang précédent. Voilà. Donc, à présent, nous en sommes, pardon, ici. Pardon, là, 1, 2 mailles en l'air, 1 bride sur la bride précédente. Hop, on tourne. Donc, 1 bride ici.
Et là, maintenant, nous allons faire des brides dans les espaces avec des mailles en l'air. Alors, ça veut dire quoi? Là, vous avez vu, on a créé un espace. Donc, on prépare une bride. On fait une bride ici à l'intérieur, une maille en l'air et encore une bride à l'intérieur. On crée des V, ok? Dans l'espace, on recommence. Une bride ici à l'intérieur, une maille en l'air et une bride ici à l'intérieur. Tout simplement. Ça, on le reproduit jusqu'à la fin du rang. Nous voici donc là, la fin du rang des V. Donc, après le V, on vient faire une bride dans la bride, sur la bride, ici. Sur les mailles, ici. Ok. Donc, on repart avec deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc, une, deux, et dessus, nous venons faire une bride. Comme ceci. On sépare de deux mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. Et dans les V, on vient faire un point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Un jeté. Et une, deux mailles en l'air. On passe à l'espace suivant. Et on fait pareil. 1, 2, 3, 4, un jeté et une, deux mailles en l'air. Alors, si vous considérez que vous travaillez un peu trop serré et que vos mailles en l'air sont trop proches, n'hésitez pas à en rajouter une. Hein, ça n'a aucune incidence. On se retrouve en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang. Ici, on va venir faire la bride dans la bride précédente. Voilà. Une, deux mailles en l'air. Donc ici, rang numéro 6. On tourne. Et on repart avec trois brides dans chaque espace. Donc une, 2 et 3. Et on recommence. 1, 2 et 3. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, nous sommes à la fin ici de la séquence où nous avons les 3 brides. Et là, on va faire le septième. Donc, on va finir la séquence. Donc, deux mailles en l'air. On tourne le travail. La première, normalement. Et les suivantes, les brides suivantes, on va les faire par l'arrière. Voilà. Hop. Comme ceci. Vous passez le crochet comme cela. Et là, vous faites tout le rang. Ok? Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. À de suite. Donc, voilà. On arrive à la dernière maille. Ici, donc, la bride. Et c'est donc... On a fini ici. C'est le septième rang. Donc, à partir de là, on repart ici en faisant tout simplement... Une, deux mailles en l'air et des brides dans chaque bride que nous avons fait précédemment. Donc ça, on va le répéter le nombre de fois que vous considérez nécessaire à la longueur que vous considérez comme nécessaire à votre ouvrage. Donc voilà, une fois que j'ai fini mes hauteurs, je suis à 67 cm de haut du haut du col jusqu'en bas. Je vais tenter de vous mesurer, je trouve pas mon mètre ruban, de vous mesurer la circonférence. Nous avons 50, donc 60, 60 fois 4, 2,40 m de circonférence. Donc vous voyez, ça fait un très très grand, un très bel ouvrage.
C'est pour ça que je m'en excuse si parfois vous m'avez senti un petit peu fatiguée durant la vidéo, mais ça m'a pris plus de 3 jours. À des moments, il était 4h30 du matin, donc j'étais pas très très fraîche. Donc voilà, donc je m'excuse si vous m'avez senti un petit peu bizarre. Mais c'est toujours avec grand plaisir, hein. Ne me plaignez pas, si je le fais, c'est que vraiment je me régale. J'étais curieuse de voir le résultat. Alors, là maintenant, voilà ce que nous avons pour l'instant. Ok? Je vais rajouter des petites manches. Donc, pour faire les manches, il va falloir que vous pliez votre ouvrage de cette façon et que vous repériez la pointe de vos manches. D'accord? Alors, personnellement, j'ai ça, c'est l'avant ici. Ok? J'ai dû compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 espaces. Au 13e espace, donc j'ai mis un marqueur. Là, j'ai compté 9 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Après le 9e, il y avait un espace. Donc celui-là, je l'ai joint avec mon 13e, là. Et là, j'avais la dimension exacte que j'avais besoin pour faire ma manche. Ok? Donc là, vous devez marquer. Je vais le faire sur l'autre et je vous montre. Donc je vais vous montrer, une fois que vous avez compté comme ça, hein, vous, si vous avez, si vous crochetez plus fin ou plus gros, faites ce système. Vous pliez votre manche, vous gardez à peu près ici 20 cm de la manche, vous mettez un marqueur et c'est cet espace-là que vous allez travailler. Là, je vous ai donné mes dimensions à moi. Essayez-les. Si ça passe, c'est très bien. Si ça passe pas, faites ce système. Allez, là, je mets mon marqueur et on se retrouve pour entamer la manche. Je travaille donc à l'extérieur, hein. Donc, ici, comptez approximativement une vingtaine de centimètres, hein, pour la manche. Donc, je vais venir mettre mon fil. Voilà. Je prends un crochet en numéro 5. Et là, une. Alors, je garde mon fil pour l'envelopper en même temps. Une, deux mailles en l'air, une bride. Ici. Donc, on va faire un rang entier de brides. Allez, on se retrouve quand on est ici, à de suite. Voilà, donc arrivé à la fin du rang, je vais venir faire ici ma maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Et là, nous allons faire tout simplement eh bien, des côtes 1-1. Donc, maille en avant, maille en arrière, bride en avant, bride en arrière. Allez, on commence par celle en avant, la suivante, celle en arrière. Celle d'après, bride en avant. Celle d'après, bride en arrière. Bride en avant. Et celle d'après, bride en arrière. Bride en arrière. Ok, donc on fait ça sur la totalité du rang et on se retrouve ici en fin de rang. Voilà, donc à la fin du rang, on vient ici faire la maille coulée, une, deux mailles en l'air, et là maintenant, ben, tout simplement, on va travailler les mailles telles qu'elles se présentent. Celle-ci est en avant, et bien on la travaille en avant. Celle-ci est en arrière, et bien on la travaille en arrière. D'accord? Ça, vous allez le faire, ben, écoutez, je ne sais pas le nombre de centimètres que vous voudrez. Personnellement, je pense que je vais faire ça sur une entre 10 et 15 cm, je ne sais pas. Entre 10 et 15 cm, je suppose. On se retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure.
Donc voilà, actuellement, moi, pour 11 cm, ça suffit amplement. La manche est déjà très très longue. Donc c'est bon, je vais faire l'autre côté. Je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, maintenant que les manches sont faites, je vais m'attaquer. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Mais personnellement, j'ai envie de faire une capuche. Alors, ça va vraiment, vraiment pas être sorcier puisque je vais venir me mettre dans la première maille. Alors là, vous voyez, nous avons ici le col. Comme ceci. Donc, je vais me mettre ici dans la première maille du col. Je vais rentrer bien sûr le fil en même temps, deux mailles en l'air, une bride, voilà, et là je rentre bien évidemment mon fil au même moment. Je vais donc travailler sur 35 cm de hauteur. Je reprends le col, je continue le col hein, tel qu'il est là, je le prolonge sur 35 cm de hauteur, je ne fais pas d'augmentation. On se retrouve donc, alors, rien de sorcier, hein. Vous reprenez les mailles du col en bride, vous voyez, vous refaites des brides tout simplement, aucune augmentation, et quand vous avez 35 cm de haut, de plus, quand vous arrivez ici, bien évidemment, de maille en l'air, vous tournez et ainsi de suite. À 35 cm, on se retrouve de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes 35 cm, vous voyez, ça c'est donc la capuche, comme ceci. Je viens plier. Alors, je repère bien par rapport aux manches, hein, que je suis bien à l'intérieur. La pliure va être à l'intérieur. Okay. C'est par rapport aux manches qu'on va le faire. Ça, ça va être sur la tête, pas par-dessus, collé à la tête, hein, la couture. Donc, je viens tout simplement joindre avec de la maille serrée les deux parties. Voilà. Donc, je pique dans ma maille avant, je viens piquer derrière. Et je fais une maille serrée, voilà, de maille en maille, comme ça je vais joindre toute la capuche de l'avant à l'arrière. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, bien écoutez, on retourne simplement la capuche. Dernière étape, dernière étape de notre ouvrage. Il va falloir maintenant embellir les côtés. Vous voyez le côté avant. Là, vous avez donc la capuche, comme ceci. Voilà. Là, vous avez donc les deux côtés. Je vais venir me placer derrière, en plein milieu à l'arrière, comme ceci. Et là, simplement, je vais venir... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites avec la mélie, la laine fourrure, soit vous faites sans. Si vous faites sans, vous vous placez pas à l'arrière, ça servira à rien. Vous vous placez juste en bas, comme ceci. Ok? Ici en bas. Et là, vous allez faire un aller sur la capuche, parce que là maintenant nous avons... Vous faites donc ici, vous partez d'ici et vous allez faire un rang en bride sur toute la longueur, comme ceci, tout autour de la capuche, comme cela, et vous revenez ici, de façon à régulariser les bords ici. D'accord? Ça, c'est si vous ne faites sans la mélie. La mélie, c'est donc la laine à fourrure. Maintenant, pour celles qui vont le faire avec la mélie, on va partir de l'arrière, ici. Et on va venir faire avec un crochet en numéro 7.
Donc bien au milieu, hein, derrière, le joli côté vers vous, hein, ça c'est tous les reliefs. Donc vers vous, vous placez comme ceci, hop, une, deux mailles en l'air. On tire bien sur le fil pour le positionner. Et là, on va venir faire de la bride. D'accord? Dans chaque espace, dans chaque maille, vous allez faire de la bride. Vous pensez bien à envelopper le fil en même temps. Voilà. Donc, simplement des brides dans chaque maille. Donc on est parti de l'arrière et on va tout simplement remonter, donc tout autour, on revient par là, on fait pas la manche, on s'occupe pas de la manche, hein. Donc vous passez par derrière, vous revenez ici, vous remontez le long tout autour de la capuche, vous redescendez, vous revenez ici, de là vous passez à l'arrière et vous revenez au point de départ. Si vous en avez envie, vous pouvez faire un deuxième rang. Ça sera entièrement à vous de voir, ok? Mais écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait. Donc, alors que je n'ai même pas fini le rang, je suis désespérée, il me manque que ça et j'ai fini ma pelote. Alors, soit vous espacez un petit peu plus vos brides pour récupérer, vous voyez, il n'y a rien, il en manque 6. Donc, c'est un peu rageant, mais néanmoins... Personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce que j'avais dans l'idée de reprendre. Alors là, j'ai fait tout le tour, voilà. Et là, il me manque uniquement que 6, vous voyez. Moi, ce que j'avais envie, mis à part qu'il m'a manqué 6, c'était de revenir ici et de refaire un tour là, tout autour, pour que ce soit un petit peu plus fourni, vous voyez. Donc, vous, si vous voulez faire qu'un tour... espacer un petit peu plus, quitte à travailler avec un crochet un petit peu plus petit, parce que peut-être pas, tout dépend de la façon dont vous travaillez, que vous en aurez assez, je ne sais pas. Je pense que vous en aurez assez si vous travaillez, si vous espacez un petit peu plus, si vous ne voulez prendre qu'une seule pelote. Maintenant, si vous voulez en prendre deux, il n'y a pas de problème, vous allez finir allègrement ici et faire comme moi un deuxième tour là pour que ce soit plus fourni, ok? Mais écoutez, on se retrouve une fois que j'ai fait mon deuxième tour. Alors voilà, j'ai fini mon deuxième tour. C'est un projet que j'ai mis longtemps à faire parce que je ne suis pas... Alors vous, ça sera plus simple parce que vous avez toutes les directives. Moi, j'ai mis très longtemps à le faire parce que je suis partie sans tuto, sans diagramme, sans rien. Donc chaque point devait être réfléchi par rapport à celui que j'allais faire après. Donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais... c'est un projet qui me tenait à cœur parce que je le trouve très très joli et que je voulais à tout prix que ce soit quelque chose qui soit dans mes vidéos. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais ce qui récompense mon travail, c'est aussi que vous vous abonnez. Ça me prouve que le travail que je fais vous plaît. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse bien fort et à très très vite.